Salut Martin, ça va? Content de te voir. Oui, je suis content de te voir. Salut tout le monde, c'est Martin le jardinier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve au jardin André Carbonneau pour l'inauguration de son tout nouveau complexe. Juste vous dire que samedi, je vais être ici à partir de 9h ou 10h, aller jusqu'à 13h. Si vous avez le goût de venir me voir pour avoir des petits conseils sur le jardinage d'intérieur ou encore si vous voulez vous faire un potager urbain, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, c'est en grand nombre qu'on vous attend dès samedi au jardin André Carbonneau. Premièrement, ce qui nous, on trouve important, c'est qu'on a récupéré l'eau. On récupère l'eau partout. On a maintenant des chauffages plus éco-énergétiques avec des chauffages à l'électricité. Alors, on est très fiers de tout ça. On a essayé de réduire notre empreinte le plus possible. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, aussi, je veux vous dire que c'est les gens de Banque nationale qui offrent le service au bar et ils ramassent des pourboires, si vous voulez, pour un organisme qui s'appelle Au cœur... Mademoiselle Fraser? Au cœur des familles agricoles. C'est un travailleur de rue, si on veut, pour les fermes, de rang. Un travailleur de rang. Et on va demander tantôt à Mme Martine de nous dire un petit mot pour nous expliquer ce que c'est. Mais entre-temps, ben, je vous dis merci, puis je voudrais que M. le maire vienne nous adresser quelques mots. Notre maire qui est très connu partout. Hein? Les gens d'extérieur, « Oui, je l'aime ton maire! » Salut, je vous remercie. Merci tout le monde d'être là. Eh bien, c'est pas tout le monde qui dit ça. Salut tout le monde, bonsoir à la famille Carbonneau. Je vous salue, chapeau bien bas et chapeau très haut, vous savez, je suis content que vous soyez là. Tout le monde, je suis content. J'aurais pas pensé de venir prendre un verre et écouter un pain dans une serre. À Montréal, d'un grand hôtel, ça va, mais pas ici, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est... Oui, on applaudit, c'est fantastique. Bravo les amis, bravo. Écoutez, quand André dit que je me suis déplacé, non, non. Je suis heureux de venir. Moi, je ne me déplace pas. Je suis content et je suis heureux d'être ici, André. Faut que je veux que tu le saches. Un déplacement, c'est une chose. Tu étais un homme, André, formidable. On a été pompiers ensemble 13 ans. On ne l'a pas vraiment aimé. Parfois, on ne l'aimait pas parce qu'il a une tête de cochon. Mais et quand il partait, c'est une affaire, là. Vous savez, on était 25-30 pompiers. On disait, André, ben, ça n'a pas de bon sens. Lui, il disait, oui, les gars, faut y aller. Il faut y aller. Mais dire, Il avait raison, il nous emmenait des preuves, il nous emmenait des choses. Alors André, on a beaucoup appris de toi, puis tu as même suivi un cours de préventionniste. André Carbonneau a son cours de préventionniste, puis aujourd'hui, ben, tu pourras gagner 100 000 comme préventionniste. Est-ce que tu le sais? Il n'y en a plus, des badgeurs, il n'y en a plus. L'équipe d'André, bravo, on est bien accueillis. Ceux qui présentent, M. le député, Mme Leblanc, Mme Gagnon, merci d'être là, puis vous avez... Je suis content parce que, vous savez, des fois, quand j'ai de quoi dire à un député, je le dis.
Je sais ça, monsieur D.A. Ça, c'est ma qualité. Non, mais c'est ma qualité. Il n'y a pas personne qui m'a acheté. Je le dis, ça marche. Merci aux députés parce qu'il y a une belle subvention. Il faut le dire quand c'est vrai. Quand c'est pas vrai, on le dit, mais quand c'est vrai, on le dit. Alors, monsieur Allaire, merci beaucoup. Il y a une belle subvention. Et monsieur Perron aussi, n'est-ce pas? Qui a participé. Fédéral a participé. Alors, on les remercie. Chapeau à vous tous. Alors, merci à vous tous. Louisville est une ville accueillante et Louisville est devenue l'hôtesse de la Mauricie. Merci. Premièrement, on a aussi Mme Bellerive qui joue du piano là-bas. Le but, c'était simple. Là, on voulait que les gens circulent et qu'ils puissent passer. Fait que, elle est très le fun si vous avez le goût d'y aller. Et la deuxième des choses, vous allez voir un grand idiot en veston noir avec une casquette, une boucle noire qui dit à tout le monde que c'est cher, que c'est cher, que c'est cher, je carbone. Inquiétez-vous pas, c'est pas très grave, ce gars-là, je veux dire, on l'a sorti de l'Institut ce soir pour la visite. Il va retourner demain, on va être correct. Alors, Mme Fraser, si vous voulez venir nous expliquer ce qu'est votre projet, merci. Okay. Moi, comme ça a été nommé, je suis travailleuse de rang pour l'organisme au cœur des familles agricoles. Travailleuse de rang, c'est pas un terme qu'on entend tous les jours, mais dans la vie, qu'est-ce que ça fait? Ben moi, je suis une intervenante psychosociale. Je travaille, comme ça a été mentionné, pour l'organisme au cœur des familles agricoles. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner, de soutenir et d'aider nos producteurs agricoles dans les problématiques qui sont appelées à vivre au quotidien. Hey, merci tout le monde! Hey, merci! Thank you.